Et ouais, c'est l'heure du nouveau stream The Big Gamowski, bienvenue à toi. Alors, on s'habitue aux nouveaux horaires ? Ah, moi j'ai du mal à m'y faire. Moi, à 19h, je suis tout le temps calé pour vous balancer le stream et je me rends compte au moment d'appuyer sur diffuser que c'est pas le bon moment. 21h, oui, bah, faut se caler, faut l'habitude. C'est comme les changements d'heure chaque année. On sait pas si ça va revenir l'année prochaine d'ailleurs, mais... Je m'égare dans plein de sujets. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, je suis très très songeur, très très rêveur. Et je me surprends à des tas de choses. Et parmi ces tas de choses, il y a la paix, le réconfort et le calme. Oui, on a tous besoin de ça en ce moment, parce que je sais pas si vous avez regardé autour de vous, c'est pas mal énervé. Et donc, pour la zénitude, bah, y a des jeux, certaines catégories de jeux qui existent, mais on peut leur reprocher leur cantonnement, c'est-à-dire que oui, parfois tu as un jeu qui est génial, qui existe sur une machine en particulier. Et personne d'autre que les possesseurs de cet engin n'y ont accès. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait rager quand on a vu que Shadow of the Colossus resterait cantonné à sa bonne vieille console de Sony. Et du coup, on était pas mal frustrés. Enfin, moi, j'étais pas trop frustré. J'avais la chance d'avoir cette console et je me suis vraiment éclaté sur ce jeu. Le truc, c'est que des fois, des gens se disent vu que le jeu veut pas s'adapter à nos machines, nous, on est des grands fans, on va le faire, on va le créer. Et c'est apparemment ce qui est passé par l'idée de gens qui sont certainement fans de Shadow of the Colossus, qui sont les développeurs donc de Pray for Gods. Pray for Gods, on peut pas dire qu'il reprend pas les concepts de Shadow of the Colossus, puisque le principe est étrangement identique jusque dans les systèmes d'accroche. Donc, on va voir que ce jeu est pas mal polémique, parce qu'il y a un côté, fan déclaré, mais qui va pas pardonner lorsque le joueur va avoir la manette en main et qui va devoir affronter le gameplay. Alors vous avez sûrement remarqué en bas à droite le petit bandeau Stream Tipper, parce que oui, cette review qu'on va faire de Pray for Gods qui est encore en alpha, c'est grâce au tipeur qu'elle est faite et il ne tient qu'à vous d'ailleurs de les rejoindre. Parce que chaque fois que vous filez un coup de main à l'émission, vous garantissez plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y aura pas de pub. C'est peut-être un détail pour vous, mais regardez les violons s'emballent derrière. Ils sont là, ils font « Non, ne laisse pas la pub venir, c'est mal !» Et je suis bien d'accord, la pub, c'est le mal. Donc, si vous filez le coup de main via quelques types de temps en temps, ça permet d'éloigner la pub et son spectre mal intentionné. Ça permet également de ne plus être dépendant de YouTube et de pouvoir tranquillement à l'abri préparer d'autres solutions qui vous seront bientôt révélées ou que vous découvrirez si vous allez sur la page des types et puis encore pas mal d'autres choses. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, jetez un œil à la page des types, vous aurez toutes les explications pour savoir pourquoi c'est important de typer et pourquoi c'est important de conserver une émission libre, ouverte, gratuite et sans pub. J'ai beaucoup parlé pour cette intro, ouais, je trouve. Alors, je suis en train de faire le setup du jeu là pour voir à quelle sauce on va être mangé. On va essayer de se mettre dans une résolution modeste. Je rappelle que le jeu est en alpha, donc va falloir lui pardonner beaucoup beaucoup de choses. Je rappelle que le jeu a toujours cette polémique de quand même aller chercher son gameplay sur de l'existence sans trop se casser la tête. On va voir s'il propose des choses très intéressantes ou juste de la copie bête et idiote. Normalement, je n'ai pas trop de fail, je pense, sur cette action. Suspense total. Est-ce que je pourrais avoir les roulements de tambour en régie, s'il vous plaît? Là, en régie, on me fait « Je crois que le jeu ne se lance pas. Tu as fait une magnifique intro pour... » C'est quoi ce signe? Ça fait du vide. Pour rien? Ah oui, c'est probable. Alors si, le jeu doit se lancer, mais il est en train de réfléchir. Il réfléchit profondément. Il se concentre.
Il met tous les moyens en œuvre pour pouvoir. Je vais regarder si la tâche est lancée, j'ai le doute. Ce moment où tu as le doute. Oh, il arrive. Vous l'entendez? C'est lui. Oui, un démarrage sans fail, moi aussi, je suis tout le temps très 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 inquiet. Donc, nous y voilà. Pray for Gods. Alors, je ferai peut-être une petite interruption au démarrage pour vous régler les niveaux audio, que vous ayez assez de son. Je vais essayer de retrouver ma manette dans le bordel ambiant. Et avec la même impatience que vous, eh ben, on va rusher dans cette Early Access. Là, je suis fin février, pour vous donner une idée de la version que c'est. Fin février 2019, pour les gens qui ont été décryogénésés il n'y a pas très longtemps. On va mettre facile, histoire d'en voir le plus possible. De toute façon, c'est pas le seul stream que je vais faire là-dessus. Je pense que je vais y revenir. Donc là, on va la jouer petit zizi, comme on dit dans le langage courant. Cet écran noir vous est offert par inséré marque de vendeur de pétrole ici. Nous y voilà. Alors c'est rigolo parce que les gars ont dû quand même se coltiner. Je pense pas que ce soit fait sur un moteur sous licence, mais ils ont dû se coltiner la programmation d'un moteur propriétaire, il me semble. J'ai pas vu d'écran de promo de toute manière pour Unreal ou un des autres machins à la mode. Donc c'est du fait main. Alors je tiens à préciser, hormis le fait qu'on est en préversion, c'est que je vais baisser un peu le retour. C'est que j'ai bouffé ce que je voulais vous dire une fois de plus, ça recommence, Alzheimer. Ça va me revenir. Entre temps, je vous casse le petit laïus technique, donc là j'ai réglé le jeu pour qu'il soit en 720p. Ce qui est relativement correct, mais pas génial non plus. J'aurais peut-être dû regarder mes commandes. Parce que monsieur n'a pas l'air très engagé à m'expliquer quoi que ce soit. Alors voilà. Sprinter. Tu peux sprinter un temps compté car tu t'épuises. Donc on retrouve bien la même chose que dans Shadow of the Colossus. Avec cette petite jauge qui va nous jouer des tours quand on devra s'accrocher. Ok. Ouais, escalader, c'est un bon début. Alors graphiquement, ça déboîte pas. Hein. C'est propre. Voilà, propre, mais pas. Y a rien de remarquable pour l'instant. Alors je vais peut-être regarder dans les options si je peux avoir un filtre ou une connerie comme ça. Non, 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 non. Peut-être
se mettre l'anti-crénelage. Ah, mais il est déjà activé. Bon, tant pis pour moi. Alors, la différence qu'il va y avoir avec Shadow of the Colossus, c'est que le jeu est mixé un petit peu avec un open world à la Zelda et compagnie. Donc, il va falloir gérer ses ressources. Voilà. Et on a un inventaire dans lequel il va falloir bricoler un petit poil. Deux bouts de bois à découvrir. Et je n'ai même pas encore d'armes. Bouh! Du coup, je sais plus où j'allais. Là-bas. Quel gadin? Non, non, j'ai pas vu de gadin. Vous racontez absolument n'importe quoi, vous êtes d'une médisance. Alors, le sauter sur le triangle, c'est peut-être pas super judicieux. Enfin, sur la touche haute. Donc, on vous apprend que l'Avarap sera votre meilleur ami. Que vous avez un grappin. Miam miam. Alors. Ok. Merde. On va y arriver. Un jour ou l'autre, forcément, on va y arriver. Je cherche la touche, hein, désespérément. Il a dû me la marquer, mais j'ai pas. Mais ça fait peur. Je veux pas faire ça pendant le jeu, moi. Je m'imagine bien sur un colosse en train de sauter d'une épaule à l'autre. Et entre les deux, me dire, tiens, je vais lui placer ça entre les deux yeux. Ça, je vais monter direct sur le crâne. Mais tranquille, quoi. Alors, j'espère que les contrôles vont être modulables. D'ailleurs, on va regarder tout de suite. Parce que... On va pas être amis, quoi. Tu pourrais faire voir ce que c'est le deuxième... Ça va déjà être mieux là. Alors, sauter en bas. Esquive, sprint lâché, attaque de mêlée, interagir. Je pense que ça devrait me convenir davantage. Parce que je me sens bien en train de faire des gadins complètement horribles. Et en 4, t'as quoi? Oh, ce kiff kiff. 3 me va très bien. Alors, qu'est-ce donc? Là, il fait froid. Hein. Un bout de map. Ok, Dak Doc. Alors, j'ai aucune idée de la taille de l'univers de ce jeu. Si c'est immense. Ou si au contraire, va falloir se contenter de. Non. Évite de. Hein? Je veux bien, mais quand même. Ça ne prend pas.
Ok, il faut sauter et tirer après. Je note, je note, je note, je note. Bon, l'idéal, ça serait quand même qu'il laisse l'utilisateur choisir quelle touche correspond à quoi. Ça permettrait quand même d'éviter de galérer. Mon ami. Alors à quoi ça sert tous ces trucs? J'ai du. J'aime beaucoup la description d'ailleurs, je sais exactement ce que c'est. C'est du. De. Pour. Avec. Ok. Ok. Plus tard. Oui, vous êtes comme moi, vous êtes impatient, vous voulez vous friter du gros bestiau. On est un petit peu venu pour ça, malgré le froid de rigueur. Et cet hiver qu'on n'a pas eu, nous. Alors, sprinter, c'est quel du coup? Ok. C'est les roulades? Ok. Faut que j'apprenne. Hein. Je suis sûr qu'il y a un truc caché là-haut, mais on ne le saura jamais, au grand jamais. Alors faut faire gaffe parce que la jauge de vitalité s'épuise super vite apparemment. Et on peut avoir vite fait de se retrouver comme un couillon alors que rien n'est apparu et d'un seul coup, le script va se déclencher. Alors ça fait plaisir, on a les mêmes problèmes de caméra que dans Shadow. Ce qui est tout à fait normal parce que c'est quand même super compliqué de programmer un jeu comme ça et puis de pas avoir de problème de caméra qui va l'escalader là où le joueur n'était pas supposé aller et fait donc exactement pas ce qu'il fallait faire. C'est pas moi. Bonjour. C'est une erreur. Tu es Je crois que je viens de me faire un pote. Je crois que je viens de me faire un pote et j'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes et je viens de me faire un pote. Donne tes poils. Oh la vache. Il est taquin, il est taquin. Alors il est peut-être chatouilleux, on va savoir. Vous-y, vous-y, vous-y. Monsieur, monsieur. Il est dans les bouches. Ah là là là, c'est bon là, tu l'as. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Monte, 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 monte. Monte, monte, monte. Cale-toi là-haut, cale-toi là-haut, cale-toi là-haut, gars. Vite, la jauge est en train de se barrer en couille. Est-ce que tu peux marcher là? Tu peux marcher? Marche, 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 marche. Pose-toi là, fais une halte. Fais une halte, sois détendu. C'est vraiment qu'il a pas bouffé lui. Hein. Alors, ce petit bras, regardez-moi ce petit bras velu là qui nous tend la. Donne la papatte. Donne la papatte. La papatte. Hein? Saut de la foi, Dr. Jones, once more, let's go. Il y a eu comme une saga, une saccade. Je sens qu'il va faire le pied qui fait mal. C'était le pied qui pue. Et on y retourne comme d'un seul homme. Et petit gars. Quand même, je dirais que oh, c'est carrément repompé de chez repompé là. Ouais. Bon, je disais pour être un peu méchant, je dirais que c'est un poil plus raide l'animation. On va faire une pause. Donne ton bras. Donne ton bras. Give me your arm.
Je vais te faire un sale truc. Il y a quelque chose ici, regardez-moi ça. Je pouvais l'attaquer avec mon harpon. C'est obligé. Bon, petit homme, monte. Va là-haut, tu seras bien, tu vas te reposer un petit peu. Quelle aventure, mes aïeux. Ah, on a du rad ici. Hop. Je cherche où se trouve le point suivant parce que on va dire la tête est totalement positif. Oh, la caméra, comme dans le vrai. M'est avis que je vais pas avoir de cheval, mais on vient de voir le compagnon. Alors il y a déjà beaucoup de choses à dire. Tant en bien, enfin beaucoup plus en bien qu'en mal d'ailleurs, je suis content.
Donc on retrouve un petit peu le principe Shadow là, puisque oui, une fois que tu as dégommé un colosse, eh bien, il y a un temple dans lequel tu retrouves toutes les icônes de ces différents monstres, et du coup, ben, tu as ta playlist pour savoir avec qui et quoi t'amuser. Alors, je vais profiter du calme, je vais baisser un poil le son, j'ai pas envie de crier. Donc je vais profiter du calme pour exprimer ce qui vient de se passer là. C'est assez rigolo. Alors les bonnes choses, bah, si c'est un jeu de fans, franchement, trouvez-moi d'autres fans qui font des hommages aussi bien faits aux titres qu'ils adorent, quoi. Je vais encore baisser le son parce que bon. Non, je ne crierai pas. C'est hors de question. Donc oui, trouvez-moi des fans qui arrivent à sortir un hommage de cette qualité. Parce que plus qu'une repompe, on peut quand même dire que c'est plutôt un hommage. C'est bien fichu. Il y a encore une certaine mollesse dans les contrôles. Puis voilà. Ça manque peut-être encore un poil de précision, mais le jeu est encore en dev, donc ça va que s'arranger, je pense. Donc oui, c'est vraiment bien foutu. Ça reste à optimiser. Alors tant sur les contrôles, la souplesse du perso, parce que ils sont déjà arrivés à faire quelque chose d'énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est comme boulot de faire évoluer un personnage autonome qui a ses propres capacités, qui a ses propres limites, sur lequel vous allez devoir faire grimper le joueur selon des zones où il peut s'accrocher ou pas, plus des comportements. Le tout dans un univers assez vaste, hein, quand on regarde la taille de Shadow of the Colossus, et vous procurant quand même un bon trip d'émotion, quoi. Donc il y a un sacré challenge. L'autre truc, c'est l'optimisation graphique. Elle n'est pas encore là, ça se voit, hein. Il y a tellement de choses à gérer. Je rappelle que ces gars, il me semble, ils sont trois. Trois pour développer ça, quoi. Je crois pas que dans la team ICO, ils étaient que 3. Je pense qu'au contraire, eux, c'était facteur 10, quoi. Ils devaient être 30 sur le titre. Donc sur ça, il va falloir rester tolérant. Par contre, la petite team, là, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de réquisitionner un petit peu des gens à l'extérieur, parce qu'à 3, ils vont jamais y arriver. Le problème étant que ce genre de jeu, plus que son aspect, c'est surtout son gameplay qui va faire la différence. Et si la souplesse nécessaire à la varap, aux scènes d'action et pas au rendez-vous, il va y avoir un gros problème, quelles que soient les intentions bonnes, on imagine, à la base. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens se méfient. Je peux pas les contrarier, à juste titre, on va dire, de ce titre. Parce que oui, c'est un fan game pour l'instant. Ceci dit, il va essayer de reprendre l'original en essayant de le porter un petit peu plus loin, puisque je vais arrêter ce stream ici, on a déjà fait quasiment une demi-heure. Dans la prochaine partie, on va essayer d'explorer ensemble son monde. En parachute, par exemple. Eh ben, on va se quitter là-dessus, je vais me faire une petite session parachute, et puis on se retrouve pour un autre épisode, pour explorer le monde de Pray for Gods, et savoir si... En anticipant un peu, il y a moyen qu'il dépasse l'original. Allez savoir. On a vu tout hein, dans le monde du dev. Sauter et... C'est un double saut, quoi. Ok. Pif, pouf. Oula, je me dirige pas terrible quand je saute. C'est pas GGN. Alors, les flèches sont comptées. C'est bien parce que j'ai pas d'arc. Comment ça, monsieur K? Une fois de plus, tu n'arrives pas à t'arrêter. Non, c'est juste, je cherche une sauvegarde. Mais tu sais que si tu reviens au menu, ça sauvegardera automatiquement. Non, je suis pas sûr. Moi, faut que ce soit écrit sur l'écran, clairement. J'ai pas confiance. Alors. Équipons-nous.
D'accord, j'ai un gourdin. Ok, je voudrais bien m'équiper avec autre chose. C'était une idée, mais... Est-ce que je pourrais avoir ce damné arc, en fait? T'as pas trop envie, hein? Ouais, je vois ça. Et il me semble qu'il est resté planté dans la terre, là, en plus. Ce serait moche que le seul arc qu'il y avait à ramasser dans le jeu, je l'ai fait planter dans un bug d'affichage. Je m'en voudrais un poil. Bon, on va trouver un petit point de vue. Il y a une zone d'entraînement à l'arc. Ce sera le thème de notre prochain exploit dans ce jeu. On va se laisser une jolie carte postale. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt dans The Big Game Oski. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, ma générosité éternelle étant toujours là, je vous laisse avec les deux playlists habituelles, celle des émissions généralistes et puis celle consacrée davantage au shmup. Et puis le bouton d'abonnement. À 21h, un de ces quatre, ciao! Cette pirouette, c'était trop la classe pour finir. Et je pars en Harley.